Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Transport Fever, pour notre partie libre avec Jeanne Villiers. Alors, pourquoi nous sommes... Je fais un zoom sur cette ferme. Car vous allez le voir, déjà on va enlever ça, ça va être beaucoup plus clair. Et on va même enlever les arrêts. Hop. Car nous allons créer une ligne de nourriture. Donc nous allons prendre le bétail et les céréales ici, que nous allons amener par train ici, et ensuite revenir à notre gare de marchandises qui se trouve ici. J'étais en train de me dire que la gare, c'est dommage d'avoir fait une gare terminus, mais bon, parce qu'on va devoir faire ça puis ça, mais bon, ça va se faire. Autre chose, normalement j'ai réglé OBS, dans le logiciel d'enregistrement, où ne devriez plus avoir de lag. J'espère en tout cas. J'ai pas fait de test, mais bon, je pense que c'est mieux. Voilà, donc on commence tout de suite. Allez. On va donc prendre une gare de marchandises, cette fois-ci Win Terminus. On va lui mettre 4 voies parce qu'à terme ça va être un, je pense, un hub pour alimenter. Est-ce que ça va passer là? Un hub pour alimenter toutes les autres. Oui, ça passe. Vision. Non, je la mets là. Vraiment, ouais. Ok. On va mettre l'autre gare de suite. Je vais remettre le jeu un peu en play. Histoire que l'argent rentre quand même. Et on va se mettre ici. Prendre une autre gare. Hop. Collision, oui, pardon. Voilà. Elle est où la collision? Ah oui. Bon, on va se mettre là, c'est pas grave. Je suis en train de calculer l'itinéraire. On passerait pas comme ça. Ouais, on va faire ça. On va se mettre directement là. On a un peu plus d'angle. Voilà. Et allez, on commence à tirer les rails. Où est-ce que je me mets? On va se mettre là au milieu, c'est pas grave. On s'est mis donc à gauche. J'essaie de faire au plus économique, hein. On gagne de l'argent, mais c'est pas encore... C'est pas encore de l'argent infini, on va dire. On va faire... Bon, franchement, le départ, je le trouve vraiment pas mal. Après, certes, je suis en facile, mais... En 1891, d'avoir déjà créé autant de lignes de train et avec un revenu tel qu'on a, c'est vraiment pas mal, je pense. Elle est où cette gare? Elle est là. Hop. Voilà. On continue. Un peu d'argent, mais je vais remettre le jeu en vitesse 3 peut-être pour qu'on puisse lancer un train direct derrière. Au niveau des lignes, on est comment déjà? Tiens, une conso, ça nous coûte moins 500 000. Pourquoi? Classer par type de véhicule. Ah, j'ai eu peur. Et on va directement se raccorder ici. Voilà. Bon, je vais vous mettre en accéléré le doublage de la ligne. Les fourches, pareil, on commence à connaître. Et puis on se retrouve après. Thank you.
Ok, donc on a mis les signalisations. À cette gare, nous allons y ajouter un dépôt. Hop, qu'on va essayer d'aligner au maximum. Pourquoi tu me fais une collision? Ah, avec ça. On va les remettre. Voilà. On remet les signaux. Donc le train peut avancer jusque là et jusque là. Et toi, tu t'arrêtes s'il n'y a pas la place. Voilà, on a donc notre ligne qui va transporter des marchandises, bétail et céréales que nous allons mettre en jaune et qui va donc partir de cette ferme, charger et décharger ici. Hop, on va l'appeler marchandises par train. Agro. Voilà. On va y mettre deux trains directement dessus. Alors passe en vitesse une parce qu'on a assez d'argent là. Alors. Ah, on a la 200. La 220 PLM. 60 km/h. La traction est similaire. Par contre, la puissance, donc elle va accélérer beaucoup plus vite, je pense. On va mettre une pour l'instant. Des wagons. Alors, je crois que c'est les wagons. Ah, il faut deux types de wagons, oui. Regardez, là, il y a le bétail, mais on n'a pas de céréales. Donc, on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas mal. Et dans les wagons tombereaux, on va lui dire des céréales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le power rating est médiocre, mais bon. Il nous faut de la quantité. Et on va le. On va l'affecter à la ligne marchandises par train agro 1. Pendant que ce petit train va partir chercher ses céréales et son bétail, on va faire une autre ligne. Elle, pardon, va partir donc d'ici. Va récupérer le pain qui a été transformé. Enfin les céréales qui ont été transformées en produits alimentaires. Longer ici. Et venir se raccorder ici. Puis on fera une ligne de camion pour livrer au niveau de la zone commerciale. Allez, je vous accélère tout ça et on se retrouve juste après. Et ici, voilà, on va refaire pareil que de l'autre côté. C'est-à-dire dédoubler la voie. Hop, très bien. Alors, on va lui mettre des feux. Comme pour l'autre, bien sûr. Hop, voilà. Pour l'instant, c'est pas utile parce qu'on met qu'un train par ligne. Mais à terme, on risque d'en avoir 2, 4, peut-être plus. C'est même certain qu'on en aura au moins 4 sur chaque ligne. Les produits alimentaires, c'est toujours demandé. Et ça fonctionne très bien. Pas ce qui rapporte le plus. Mais c'est fiable comme source de revenus. Et donc ici, voilà. Donc j'ai fait pareil ici. Pour la ligne de... Non, de biens de consommation. Ok. Donc maintenant, normalement le train traverse les deux voies. On va mettre notre dépôt de l'autre côté, comme ça on va pas s'embêter. Et donc ici, il nous livre ses premières marchandises. 1,5 million. Et donc ça va commencer à produire. On va faire pause. Parce
que là, il va produire du pain pour rien, on n'a rien de l'autre côté qui va livrer ce pain. Enfin, c'est produit alimentaire, j'appelle ça du pain parce que c'est l'icône qui est comme ça, mais... Donc, hop, on va faire ça, quoique, est-ce que... on va essayer de faire un truc joli. Voilà. On va venir le coller ici. Et on va se raccorder juste après les feux, voilà. Non, juste là. Voilà. On va mettre un feu à la sortie. Voilà. Et donc, nous allons acheter un train de marchandises avec la même locomotive qui nous coûte quand même 1 000 000. Les wagons, on va prendre des wagons. Je crois que c'est... Non. Voilà, produits alimentaires. 64, on va mettre 32 au début. 36, tant pis. Et on va affecter ce train à une nouvelle ligne qui va donc charger ici. Pas sur le 1 par contre. Et décharger, je vais modifier le terminal. Et décharger ici. On va appeler cette ligne comme d'habitude. Oula. Voilà, produit alimentaire, première ligne. Pour les modifier la couleur parce que c'est mon habitude en fait. Je fais toujours ça, je m'y retrouve mieux. Et avant de lancer ce train. Donc ici voilà, production de 6. Il a ça en stock, il a produit ça. Et je sais pas si c'est une utilisation des lignes, je crois pas. Non, c'est logique en fait. On livre les céréales et le bétail ici, très bien. Il va produire. Sauf que ben, il va produire très bien, mais il ne vend pas son stock. Donc au bout d'un moment, il va arrêter de produire. Donc eux, à la ferme, ils vont arrêter de produire du bétail et des céréales parce que de toute façon, personne ne le rachète. Donc ce qu'il faut, c'est toujours trouver l'équilibre entre la production de matières premières, la transformation en produits finis et la vente de ces produits finis. Donc, on a la production de matières premières qui est livrée à l'usine agroalimentaire qui, elle, va transformer ça en produits finis que nous allons donc transporter ici et les stocker. Donc, attendez, avant que j'oublie, je vais faire le terminal. Donc, terminal. Alors, l'agro, ça arrive sur le 3 ou 4. Agro, on va le mettre sur le 3. Ouais. Et produits alimentaires. Produits alimentaires sur le 1, oui, c'est ça. On est bon là. Donc, je disais. On livre matières premières, voilà. On transforme en produits finis ici. On transporte ici. Pour ensuite aller les vendre dans la zone commerciale. Car on voit plus ici le... Attendez, Chenevillier. J'ai enlevé les noms. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Ah oui, j'ai enlevé ça. Car à Chenevillier, les produits alimentaires, c'est de l'offre commerciale. Donc, on peut l'enlever. On revient ici, on regarde où est la zone commerciale. Elle est ici. Donc, c'est ici qu'on va devoir livrer, voilà. Donc, les biens de conso, pareil. Est-ce que les biens de conso, c'est ici? Donc, très bien. On va créer une nouvelle ligne. Hop. Il va donc partir ici et décharger ici. Précisez bien toujours que vous voulez que décharger. Bon, là, il n'y a pas de souci parce que ça va être vendu instantanément. Mais des fois, c'est juste du stockage temporaire pour être repris par une autre ligne. Et dans ce cas-là, si vous ne dites pas que vous voulez seulement décharger à cet endroit-là, mais il va repartir en chargeant d'autres choses qui ont été stockées ici. Et c'est pas le but du tout. Donc, on va l'appeler marchandise par camion, prod alim, Chenevillier intra. Voilà. On lui remet la même couleur et
Attendez, pardon. On lui remet la même couleur, pardon. Et on va y affecter donc des camions. J'en ai ici. Ouais. Des DMG Constat. On lui dit qu'on veut qu'ils prennent uniquement des biens alimentaires. 1, 2, 3, 4. Au début, ça va suffire. Et on le met sur la ligne. Voilà. Marchandises, produits alimentaires, Gennevilliers, Intra. Ok. Très bien. On relance. Et on va regarder ça. Donc. Je l'ai perdu là. Les trains, on les a. Oui. Il est où notre train? Très bien, il est là. Alors, on va se mettre en vue. Simplement pour voir. D'ailleurs, c'est vraiment bien fait. J'adore. Je regarde ici la vitesse, voir s'il n'y a pas de soucis de ralentissement en fonction du relief ou des virages, mais j'ai pas l'impression. Donc, à vide. Là, il y a une montée. À vide, normalement, ça devrait être bon, mais c'est à plein. Je voudrais voir sur retour. Donc, à plein, voilà, à partir d'ici, ça va être de la montée. Le trajet est peut-être un peu long. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Ouais, c'est un peu long, je vois toujours pas la ferme, si ça y est. Je crois que je la vois en fond. Voilà. Donc il y a déjà ici les marchandises en stock. Hop, il les charge. Et maintenant on va voir au niveau de la vitesse si c'est bon. Et donc ouais, on le voit de suite, cette locomotive accélère beaucoup plus vite. On est déjà quasiment à la vitesse maximale de 60 km/h. Donc vous voyez les feux, on les voit là en temps réel. Donc là c'est pour les voitures. Le prochain, regardez bien. Hop, c'est vert. En gros, ce feu vient de dire au train, derrière moi, jusqu'au prochain, soit feu, soit de la gare, il n'y a pas de train, tu peux y aller. Si il était resté rouge, le train se sera arrêté en attendant que derrière le chemin se libère. Donc on ralentit un peu, mais c'est pas grand chose. Ouais, c'est très bien. Hop, le feu qui passe au vert. Ici, on rejoint la ligne de produits alimentaires. Le feu lui dit que c'est vert. On lui dit que c'est vert, tout va bien. Et donc, on va arriver. Je vais quitter juste. J'ai perdu la flèche. Je vais quitter juste pour. Voilà. Donc à plein, quasiment. J'aimerais voir combien il rapporte. Ok, 1 500 000. Très bien, allez, on le laisse repartir. Je viens de voir lui, il part à combien? 36 sur 36, on va le suivre, très bien. Production de 12. Ouais, il a livré ou pas déjà? Non, je pense pas. Bon, lui on va le suivre, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de soucis de... Et de soucis de vitesse, hein, le terrain est plus plat je crois, ou en tout cas en descente sur le sens où le train est chargé. Ah, quoique j'ai peut-être dit une bêtise, on va voir. Non, ça reste à 60. Ici là voilà, ça a creusé parce que justement j'ai fait segment par segment. Si j'avais fait un long trait direct, ça m'aurait fait des tunnels et des ponts. Donc il arrive en gare. Et en gare, il nous rapporte. On revient en vitesse 1. En gare, il va nous rapporter 600. Ok. Et donc ici, voilà, les camions prennent le relais, ils vont charger, on va suivre la chaîne jusqu'au bout. Ils vont donc charger.
notre petite. Là, je suis à fond en zoom. On va voir si je fais ça. Il y a les phares ici. C'est la DMG Kansat, je crois. Ici, on croise nos obéissantes qui transportent des passagers. Et qui vont aller livrer au cœur de la ville. Ce jeu est quand même joli. Je le dis souvent, mais j'adore. Les Allemands, ils sont pas réputés pour le design, mais là, ils ont fait un truc joli, je trouve. En plus d'être efficace. Et voilà notre aire de chargement. Hop, il va nous rapporter. Voilà, 4000. Très bien. Bon. On a lancé ça, super. On reste en vitesse 2, ça a l'air pas mal. On va peut-être remettre un train du coup. Un train de chaque, je me demande. On répond comment à l'offre à Gennevilliers. Pas encore. Pourquoi? Ça s'est pas actualisé? Je viens d'en vendre. Ouais. Ah ça y est, 5%, ça va venir. Bon. On va équilibrer nos... On va remettre deux trains, je pense. Ouh, il galère. 24 km/h. Combien ça nous coûterait de remplacer ça? On mettait ça avec des wagons citernes qui transportent 2, 3, 4. On était à, je sais plus, 11, on en a. Ça ferait 2,8 millions. Nous ferait 5,6 millions. On va attendre d'avoir 5,6 millions. Enfin, remplacement immédiat. Voilà. Ça va augmenter la cadence, la fréquence plutôt. Donc, si on regarde, ici le carburant, on n'en livre pas assez. Ouais, ça va venir, ça va venir. Et donc. Ce pétrole raffiné, il faudra en faire quelque chose. On part pour le plastique. Ouais, on pourrait prendre cette voie. Venir ici, se raccorder. Se raccorder ici pour ensuite... pour ensuite le livrer là. Ouh, les biens de consommation, il y en a beaucoup. On est comment sur les biens de consommation? Ah oui. On va rajouter un train. Ouais. Juste au niveau de la population, je sais plus combien on est. Oh, on approche des 600, c'est vraiment pas mal. Ouais, on va rajouter un train. Alors, le dépôt, il est où? Il est là. Est-ce que... Oui, il suit. On va rajouter un train ici. Alors sur la ligne, on est comment? Hop. Une console, on a quoi? Un de 15. Ouais. De 15, c'est beaucoup. On va remettre une loco. Marchandises, alors, c'est des biens de consommation. 15. On s'y a combien? 5. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Oh là là, attendez. On fait un train de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Comment savoir? Bon, j'en ai mis. Je pense que j'en ai mis 2 de trop. Ouais, je l'ai là, je suis bête. Oui, j'en ai mis plus que 2 de trop. Voilà. Allez, on le met sur une bien de consommation. Ça va améliorer notre offre. Enfin, ça va améliorer. On va répondre mieux à la demande de biens de consommation. Et maintenant, on va s'attaquer aux outils et aux machines. Donc pour ça, il nous faut. Elle est où cette usine? Elle est là. Donc, alors. Il a besoin soit
deux planches et de l'acier pour faire des outils, soit deux planches et d'acier pour faire des machines, ou acier et plastique pour faire des machines. Donc des planches, on en a. Je me demande, en fait, parce que sur une autre partie, je lui livrais pas d'acier, je lui livrais planches et plastique. Et il me produisait des outils malgré tout. Mais bon, si on peut faire les choses bien. Donc, pour faire de l'acier, voilà, on a une usine ici, il nous faut du charbon, enfin du fer et du charbon. Et sur cette map, fer et charbon, c'est assez mal disposé par rapport aux usines. Là, on a du fer. Là, on a du charbon. Il faudrait faire une ligne qui part d'ici, qui va jusqu'... Non, on en a là. Ouais, ce serait peut-être même mieux. Vous ferez qu'une ligne de train pour le fer, une ligne de camion pour le charbon. Et on repart ici. Non, ça fait loin. plus haut peut-être. Ah oui. Peut-être plus intéressant de le faire ici. Je suis en train de réfléchir. On prend notre fer. Il est là, on le prend ici. On a le charbon, on aura la même cadence, ce serait plus long, mais on équilibrerait mieux les choses. En charbon-fer, on l'emmène ici. On va ensuite le livrer là. Très long en fait. Le livrer là, on prend la scie, on l'emmène ici et on redescend. Ça fait très long. Ouais. Non, on prend ici, ici, on l'emmène là, le livre ici, et on revient le livrer là. Faisable aussi. Est-ce que dans le sud de la carte, on a là une usine? Alors fer et charbon, fer, charbon, ah, fer, charbon, acier, bien. On le livre ici, il nous faudra maintenant du bois du coup. Casse-tête. Là, on a le bois. On livrerait encore ensuite ici. C'est faisable, mais ça fait beaucoup de trains. Je me tâte. J'ai pas assez d'argent encore pour faire tout ça. Ça fait beaucoup de frais quand même. Bon, écoutez, vous savez quoi, on va arrêter l'épisode ici et je vais réfléchir pour la prochaine fois à ce qu'on va... Comment on va le faire surtout. Ouais. Bon, on va se laisser ici pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite et on va voir comment on organise tout ça. Allez, salut à tous.